Comment capturer les emails de tes clients Amazon? C'est effectivement un problème dans le fait de vendre sur Amazon. Les clients ne t'appartiennent pas et tu n'as donc pas moyen de récupérer ces mails au sein même de la plateforme. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de techniques simples pour contrer ce souci tout de suite après le cours générique. Salut tout le monde! Pour ceux qui rejoignent tout juste la chaîne, je m'appelle Coralie et si tu veux monter ton business Amazon FBA, tu te trouves sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau, et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, la récupération des emails de tes clients Amazon, comment ça se passe? Effectivement, il est bien dommage de ne pas avoir accès à ces fameux emails. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir recommuniquer par la suite à tes clients pour tes futurs produits et éventuellement faire des tunnels de vente, faire des opérations promotionnelles, etc. Mais si tu es sur cette vidéo, je suppose que tu connais à peu près le but. L'email marketing est assez important en e-commerce, donc voici une technique simple que tu pourras intégrer à ton futur produit sur Amazon. Alors, comment faire? Dans un premier temps, tu vas devoir trouver un moyen d'améliorer l'expérience acheteur. C'est-à-dire donner une réelle valeur, quelque chose de qualité à offrir à ton client en plus de son achat. Soit tu en parleras directement dans ton listing, soit tu le laisses en surprise lorsqu'ils déballeront ton article. Ici, je parle d'offrir un produit numérique. Donc, par exemple, voici les plus connus. Tu auras la notice d'utilisation. Tu peux offrir une notice en plusieurs langues avec des images ou quelque chose de plus poussé pour aider bien sûr ton client à se servir correctement de ton produit. Ensuite, tu auras l'e-book qui peut être complémentaire par rapport à ton produit. Par exemple, si tu vends des articles de cuisine, tu pourrais offrir un e-book avec des recettes ou encore, si tu es dans le sport, offrir un e-book à ce sujet. Ça sera à toi de voir le mieux. Il faut pouvoir trouver un contenu intéressant pour tes clients cibles. Ensuite, tu auras le fait d'offrir un coupon de rabais pour leur prochain achat sur ta boutique Amazon. Par exemple, un 10 ou 20%. Le quatrième type de contenu cadeau sera la vidéo, qui obtient aujourd'hui plus de succès. Tu pourrais offrir une vidéo formative. Par exemple, si tu vends un ukulélé, faire une sorte de mini formation en ligne avec comment apprendre à jouer du ukulélé en 5 étapes. Je dis ça comme ça, mais c'est pour que tu comprennes bien l'idée. Cela te demandera peut-être plus de travail, mais ça te servira aussi à te démarquer de tes concurrents. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de mal à donner leur adresse email. Et c'est pourquoi tu dois vraiment trouver le produit numérique qui va vraiment ajouter de la valeur à ton client pour qu'il ait envie d'aller le récupérer. Maintenant, une fois que tu auras trouvé ce que tu veux offrir à tes acheteurs, il faut trouver un moyen pour qu'ils aillent le récupérer. Et c'est là que nous allons pouvoir obtenir ces fameux emails. Donc, tu vas devoir intégrer dans ton packaging une thank you card. Donc, tout simplement pour remercier ton client de son achat et en profiter en même temps pour lui indiquer comment récupérer son cadeau. Ici, en l'occurrence, ça sera avec un QR code. On va passer sur mon écran pour te montrer ça rapidement. Donc, nous voici sur mon écran. Là, en l'occurrence, on va être sur Canva. Canva, c'est un outil pour créer plein de choses différentes comme des logos. Ça peut être aussi des flyers, des thank you cards, etc. En fait, vous pouvez faire des contenus pour les réseaux sociaux. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, cette thank you card sera donc, comme je disais, à intégrer dans le packaging avec votre produit pour que les gens aillent récupérer ensuite en ligne leur cadeau que vous avez choisi maintenant ou que vous allez choisir, bien sûr. Donc, en premier temps, vous pouvez choisir une taille qui est... soit vous la faites petite, mais là pour le coup ça peut être juste un papier qu'ils vont à peine lire, même pas prendre et jeter à la poubelle, ou soit vous les faites un petit peu plus conséquentes en taille flyer pour qu'elles soient plus remarquables et donc vues par vos clients. Donc moi pour l'occurrence là j'ai mis un 6 pouces par un 8 pouces, c'est assez grand mais au moins on est sûr qu'ils les voient. Donc tout d'abord, on remercie son client sur le recto. Merci pour votre achat. Merci d'avoir fait confiance à votre brand, votre marque. Là. Vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez votre petit logo. Vous mettez peut-être une petite introduction pour qu'ils vous connaissent, mais pas trop de texte. On le sait, les gens ne lisent pas beaucoup, hein, effectivement. Donc il faut que ça soit quand même assez clair et précis.
Et ensuite, on peut même ajouter, n'hésitez pas à aller laisser votre avis sur amazon.fr ou .com. Donc, tout dépendant où vous êtes. Dans le fond, vous pouvez mettre une petite phrase comme ça pour inciter les gens à aller vous mettre un commentaire. Donc là, en plus, vous faites d'une pierre deux coups. Mais ne mettez pas « Allez nous laisser un commentaire 5 étoiles en échange de ce cadeau-là ou de votre adresse email. » Là, ça le fait pas du tout. Amazon n'aime pas ça. Et vous risquez de vous faire carrément bannir ou même fermer votre seller central. Donc, ne jouez pas à ça. Soyez subtil. Maintenant qu'on a remercié notre client au verso, on va pouvoir ici récupérer l'email. Donc, pour obtenir votre e-book gratuit, vidéo, notice, etc., vous allez devoir scanner ce petit QR code et là, vous mettez les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Scannez, entrez votre adresse email, recevez l'email, par exemple. C'est vraiment un exemple. Mais dans le fond, c'est ça. Puis là, même le design, hein, il n'est pas super travaillé. Là, j'ai juste pris un exemple rapidement ici de Canva. Mais vous pouvez le retravailler largement mieux que ça. Donc voilà un peu comment on peut présenter cette thank you card. Maintenant, les gens, quand ils vont scanner ce QR code-là, vont tomber sur une page d'opt-in, on appelle ça. La page d'opt-in, vous allez devoir aussi la créer vous-même et la lier à un logiciel qui récupère les emails. Moi, personnellement, j'utilise Aweber, qui est super. Honnêtement, mes emails se délivrent vraiment bien. Et le système est clair, précis, je vais vous montrer ça juste après. Mais voilà, vous avez aussi MailChimp qui le fait, system.io. Mais vous inquiétez pas, je mettrai tous ces liens en description, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'utilise Aweber, donc je vais vous montrer avec Aweber comment ça fonctionne. Et honnêtement, je la recommande vraiment. Avant ça, une page d'opt-in, c'est quoi? En fait, c'est une page où vous allez donc présenter, obtenez votre e-book gratuit, rentrer votre nom, votre prénom et votre adresse email. Donc cette page va être liée à Aweber qui va récupérer et engranger toute cette liste d'emails en fait pour vous. Donc la première étape, récupération d'email, c'est fait. Vous l'avez, il a rentré son adresse email. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est donc d'envoyer son cadeau à la personne. Et ça, vous pouvez l'automatiser aussi avec Aweber. Allez, je vous montre tout de suite. Donc, si je vais ici sur mon Aweber à moi, de Destination Liberté Financière, voilà comment ça se présente. En fait, vous allez avoir donc vos messages, vos subscribers, les landing pages, donc les pages d'opt-in qui seront ici. Ça va être super simple à faire. Vous allez aller sur landing page ici et ensuite, on fait create a landing page, donc une nouvelle landing page. Et là, vous allez avoir donc plein déjà de templates qui sont déjà faits, donc super pratique pour vous. Là, vous pouvez faire hop la thank you page ici et par exemple, choisir un de ces modèles-là. Par exemple, celui-ci, un sign-up form, on choisit. Et voilà, donc là, vous mettez ici par exemple, récupérer votre e-book gratuit. Là, vous pouvez mettre point 1, point 2, point B, les avantages de votre e-book, etc. La personne ici rentrera son nom et son adresse email. Donc voilà, là vous avez entre guillemets créé votre opt-in page. Maintenant, donc là, save and exit. Pour pouvoir créer votre QR code que vous allez mettre donc dans votre thank you page, je ne vous ai pas montré encore comment on fait, mais là, ça va être super simple. On utilise donc celle-ci. On va faire publish, comme ça, ça va être en ligne, done. Et vous allez copier l'URL ici. Donc maintenant, ce qu'on peut faire simplement, c'est retourner dans Canva sur notre thank you page. Là, j'avais mis juste une photo de QR code. Mais là, vous allez choisir à gauche QR code. Saisissez l'URL et vous collez la thank you page. Générez un code. Et voilà. Maintenant, vous avez donc votre QR code ici qui est prêt et qui est lié à votre page d'optimisation pour pouvoir récupérer l'adresse email. Donc, on a notre QR code, on a notre landing page, on retourne sur Aweber. Et maintenant, pour automatiser donc l'envoi dès que la subscription est faite de votre e-book, vous allez aller donc dans Messages ici.
vous allez faire campaign, puis create a campaign. Donc là, on va choisir le lead magnet hein, pour offrir aux subscribers une plus-value et dès qu'ils joignent notre liste. Donc on fait ça, on lui donne le nom que vous voulez, là, vous le changez, on fait create et voilà. Donc là, ce que ça nous dit, donc start campaign on subscribe. Donc dès que quelqu'un va rentrer son nom sur votre opt-in page, ici, Aweber va envoyer un message pour vous avec donc le contenu que vous voulez offrir. Ensuite, voilà donc le message qui va être envoyé. Vous pouvez faire preview. Là, ça va être tout en anglais, hein, bien sûr. Si vous êtes en France, il n'y a pas de souci. Là, il faut le traduire. Mais vous avez déjà aussi un template ici pour pouvoir mettre votre contenu. Donc, merci pour avoir souscrit. Comme promis, voici votre livre gratuit, etc., etc. Merci de nous avoir fait confiance, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous mettre dans la liste blanche de vos emails aussi. Ça, c'est très important parce que ça se peut que ça arrive aussi dans les spams. Voilà. Maintenant, si vous voulez envoyer un deuxième message derrière ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez remettre « Send a new message ». Entre deux, vous pouvez attendre une journée. Là aussi, vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre 2 jours, etc. Vous pouvez envoyer encore un troisième message, etc. Mais voilà, là, ça, c'est pour, en gros, on subscribe, on reçoit tout de suite son truc, on attend une journée, hop, on renvoie un message, voire 2 messages. Mais spammez pas trop les gens. Hein. En général, ils aiment pas vraiment ça, donc ça peut aussi dégoûter votre client. Donc, dans le fond, là, offrez-leur quelque chose, puis par la suite, si vous avez des offres à faire, etc., des quelques jours, voire quelques semaines après, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais spammez pas tout de suite vos clients. Puis pour modifier, hein, je l'ai dit, on prend son message ici, puis on fait tac. Vous pouvez aussi cliquer directement dessus ici et changer l'email. Ici, vous avez tous les éléments que vous pouvez rajouter, comme des photos, des liens vers vos réseaux sociaux, des boutons pour cliquer sur quelque chose. Et après, vous pouvez jouer avec la plateforme. Là, par exemple, ça, si je le mets, je le veux au milieu, puis je le veux en rouge. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, en gros, vous avez donc créé une thank you card, à mettre dans votre packaging avec un QR code que les gens peuvent scanner et aller sur la page d'optimisation pour qu'ils puissent rentrer leurs informations et leur adresse email qui va être récupérée par Aweber. Et ensuite, Aweber fera automatiser l'envoi de votre cadeau directement dans la boîte mail de vos clients. Donc voilà, ce n'est pas un tutoriel complet, mais plutôt la technique de récupération d'email. Maintenant, concernant le QR code, prenez note qu'avec celui que j'ai créé avec Canva, vous ne pourrez pas le changer. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous avez besoin de changer l'adresse de destination de ce code, ça ne sera pas possible. Il faut être sûr, mais sinon j'ai déjà utilisé QR code generator, qui marche très bien, et là vous pouvez modifier. Donc, par contre, celui-ci sera payant. C'est environ 60€ par année. Mais bon, je dirais que c'est pas grand-chose quand ça peut nous faciliter la vie. Juste pour que vous ayez le choix. Je vous mets aussi le lien en description si vous voulez choisir cette option. Sachez que vous pouvez aussi faire à peu près la même chose pour récupérer les messengers, donc sur Facebook, avec des bots messengers. Faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. Je verrai pour faire une vidéo aussi là-dessus. Sinon, n'oublie pas de liker et commenter, cela encourage beaucoup mon travail et merci à tous ceux qui me suivent déjà. N'hésite pas à poser des questions aussi sous cette vidéo et à me rejoindre sur le groupe privé AMZ FBA, Destination Liberté Financière, pour encore plus de soutien. Dans tous les cas, je lis et réponds à tout le monde. Je vous souhaite à tous sincèrement une très belle réussite dans le monde d'Amazon FBA. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao !